RTP, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Vendredi 14 juin 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Mega. Nous comptons rentrer la caillou pour voter pour des départs journal Mega Matin grâce à concours toute équipe. Ça, la nouvelle là. Foutson Ulysse, c'est le même qui l'a mise en ordre de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sever avec Daniel Daniel. Même plaisir, même l'amour pour nous rentrer la caillou tout partout dans le pays, à reste monde là. Bienvenue tout le monde. Mais quelques principales informations à porter pour nos journal, la directeur général. Police Foncel B reçu voyage jeudi en famille policier Utah Gio qui était tombé Delma 18. C'était occasion pour chef police d'en partager mon réconfort à famille Saïe. Premier ministre Gary Conish a parlé hier avec direction protection civile, agence humanitaire pour discuter sur préparatif yo en Haïti. S'il t'a frappé pendant la période cyclonique. L'administration américaine a dit qu'il n'y a pas qu'à attendre pour commencer le travail avec le gouvernement Gary Conish. Investir équipe ça, c'est un gros pas important qui franchit dans le réseau de crise là, selon l'ambassadeur américain à Port-au-Prince. Un constatant que l'organisation nous pas dormi, salue une volonté Premier ministre Gary Conish pour combattre la corruption et l'administration publique là. Nous pas dormi, fait quoi? Il y a une action Kounia qui m'a connu avec la parole si là. Série installation, il y a été poursuivi hier jeudi au ministère de Justice là. Carlos Ecul installé Jean-Joulbert Franck comme ministre Affaires Sociales. Et ce ministre MTPT, c'est Raphaël Osti qui a salué. Mais Henri Venet, notre ministre agricole, nouveau ministre, la promet trois gros axes d'intervention. Notre ministre, si là. Directeur exécutif, président national, Cap Défense, doit mener à Pierre Espérance, a critiqué Gary Conlidi, qui est maintenant un certain gros ministre, bah, secteur mafia dans le pays. Défenseur doit mener à des populations, rester vigilant, et il y a un gros doute, cabinet, ça cap pour tes résultats. N'a pas gagné pour ne pas les l'autre dossier dans le journal, là, États-Unis, ils ont annoncé, il n'y a pas coupé visa dirigeant. Compagnie qui a organisé vol charter, qui a facilité migrants passer Nicaragua pour rentrer aux États-Unis d'Amérique. Et plusieurs leaders noirs américains apparaissent pour manifester mercredi à Cap Vinila, dans Brooklyn, New York, pour demander la paix dans un pays d'Haïti. Amis auditeurs, c'est pour ça que diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. Mais pas oublier, n'a pas le seul pour capable de traverser avec vous. On connaît combien de goudrons besoin pour capable acheter de l'Amérique. N'a pas pour nous voter pour week capsule à s'intégrer de moi chez Naptonet. Nous avons avec information ça. Selon un communiqué police nationale d'Haïti, un directeur général à IPNH, M. Foncel B, était rencontré mardi, m'a formé policier Utah qui a assassiné, bandit assassiné en Delma 18, communiqué a précisé. Pendant la rencontre, ça, directeur général a été avec lui, m'a beau commandement, notamment inspecteur général Franz Mathurin avec Jean Moreste Etienne, respectivement directeur central police administrative avec directeur personnel avec représentant des SAG. Service médico-social PNH, là, directeur Frontel B, adressé mon reconfort, libre et famille, et pouvez-vous le rappeler, police nationale, la solidaire avec eux dans la période, ça, légalement assuré PNH, la fourni un accompagnement administratif conjoint des policiers victimes, yo, par certains proches également, t'es participé à la réunion, ça. Policier qui assassiné, t'es assassiné dans une embuscade qui était, bah, dit, t'es fait, Delma 18, dimanche 9 juin après-midi, Michel Rizier, pour le groupe criminel, lui, ensemble, n'a été à Pontita, revendiqué Zaxila, Premier ministre Gary Conish était promette pour rendre justice à la famille victime, côté le fait qu'on ait la pas attaqué hauteur jusqu'à côté Yoye, dans le bloc. N'a pas venu avec un Premier ministre haïtien, Gary Conish, organisé une rencontre avec un conseil présidentiel, la protection civile, avec une agence humanitaire, sous saison cyclonique, là, qui a été déjà démarrer dans le pays. C'est occasion pour un chef gouvernement, je ne détaille ce préparatif pour signer un mauvais temps à frapper le
pays a par rapport avec prévision yo n'a pas invité au côté Gary Conny le micro Jean-Philippe Massé il y a Paris pour ces gens qui nous font et nous avons une bonne réunion après une pile bagaille puis la continuer à avancer sur ça donc essentiellement c'est parce qu'il concerne logistique là bon nous temps pour faire mesure la mettre en place pour communication qui a plus fluide et c'était parce que tout partenaire était réuni nous passons en revue ça n'a fait comment on a agi comment nous même nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe une situation que je vais vous demander un peu de patience et d'indulgence pour permettre de mieux nous organiser conversation continue et communication à travers les populations sont essentiels liés pour nous un peu de patience pour nous mieux organiser j'en ai et je vous promets nous n'apprécions déjà pour qu'en temps réel nous prenons de ça qu'a fait de l'effort qu'a fait sur la population tout collée donc ça c'est surtout réunion tout acteur qui est impliqué dans la réponse de nos crises contre le cyclone parce que nous prenons une session cyclonique là et ça a annoncé excessivement sévère avec une série de cyclones prévus donc généralement nous reconnaît conseil présidentiel là te reconnaît est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclone s'il frappe dans le nord s'il frappe dans le sud est-ce que nous avons tout bas en place pour nous répondre à besoin de population en urgence donc c'était sa question et direction des CPJ pour rencontrer nous puis expliquer nous mes plans mes stratégies mes approches li mes ça besoin mes ça manqué pour nous même nous cacher et me dire que lundi matin m'a descendre pour visiter directement et après c'est pas seulement nous là c'est tout acteur qui explique qui est impliqué dans la coordination d'urgence donc t'es une communauté internationale là qui est là qui l'a jusqu'à présent t'es une toute notre ministère toute notre entité d'état qui est impliqué dans les postes le ministère de la santé publique et autres pour assurer que nous capable protéger population en cas d'urgence donc voici un peu ce que c'était comme tu le sais comme vous nous connaissez hier nous installé gouvernement travaille sous feuille de route évidemment nous gagnons un ensemble de priorités qui fait partie de l'accord 3 avril là qui a guidé ça nous pourrait faire et évidemment dans le pays côté tout bas et c'est urgence on essaie autant que possible assurer nous que les questions que pour le gouvernement ont traité de tous côtés parce que il y a une implication de tous côtés qu'est-ce que effectivement on a entièrement raison qu'à penser on va parler de sécurité pas quoi que nous contrôlons cet environnement là c'est pas vrai donc voici autant de choses que nous parlons ensemble mais le point que tu fais qui est un point important et nous mettons sur la bonne idée c'est expliquer mon mieux ça côté DDA les objectifs de développement durable expliquer comment nous engager pour améliorer la situation population et son engagement que nous prenons au niveau global c'est très important. Pour justement, nous n'avons pas seulement gardé l'urgence, mais nous avons une vision tout sur la vie. Son engagement, comme tout le monde dépend que d'ici 20 ans, une série de bagages qui a fait l'éducation, la santé, le mouvement, l'emploi, la protection, etc. Et donc, c'est un peu ça. Côté intervention pour le ministre Gary Conny, nous connaissons un cyclone qui commençait là, qui a fini mois de novembre, Dieu voulant, commencé depuis 1er juin. Il y a pile activité, un pile annonce qui fait bon côté diverses mairies dans diverses coins d'appuyer pour annoncer des séries de mesures et une songe autorité ou dans protection civile avec président KPTA 1er juin qui a annoncé ensemble disposition qui apprend pour capable accompagner population dans période cyclonique là. On nous vient avec reportage si là plusieurs citoyens exprimés attentifs face à ce nouveau gouvernement qui est installé mercredi. Citoyens encouragés pour le ministre Gary Conny pour travailler pour améliorer les conditions de la vie population. Alex Gaud, c'était pas là quelques citoyens nous vite suivant reportage. En pile citoyens nous rencontrer sous place Boyen à Pétionville exprimer quelques contents pour installation nouveau cabinet ministériel ça qui d'après eux-mêmes va permettre pays à aller au souffle. Jeune professionnel ça nous t'ai parlé à lui encourager nouveau gouvernement ça pour remembrer toute institution yo dans l'idée pour redémarrer pays a il travaille mettez brain et puis remembrer la justice et ça m'a pas suspendre dire parce que en tant que un personnel dans domaine là m'a pas suspendre dire ça parce que justice c'est ça qui lève une nation je pense que faut que remembrer toute institution qui déjà affaibli complètement et puis pour capable un nouveau changement dans pays et premier bagage là c'est insécurité premier bagage pour résoudre problème insécurité c'est non un c'est ça lié c'est insécurité d'abord parce que c'est lui qui paralyse quel que soit le domaine qui gagne là c'est lui qui paralyse personnage ça lui-même quoi dit inacceptable pour policiers continuer à mourir dans pays
Dans ce sens, il encourage le gouvernement pour résoudre le phénomène de sécurité et puis permettre à la population de circuler libre dans la capitale. Les policiers nous ont mouru comme ça, le commissariat nous ont brûlé. Donc, zone de nous doit, Gary Koni obligé de bailler le peuple à côté pour le passer avec facilité, pour la régler les affaires, pour la chercher plein quotidien pour la famille, parce que c'est très très important. Donc, pour Gary Koni, à lutter pour mettre la sécurité dans le pays, pour lutter contre la corruption. Donc, dans la boîte d'État, comme la boîte, comme la rentrée là dans le gouvernement, et puis il fait un autre chemin, parce qu'il faut que Gary Koni fasse un bagage là. Comme il vient lui-même, il n'a pas conduit le ministre Ariel, donc je pense que lui-même, il a un cabinet, le ministre Lionel, donc il faut faire ça, il a pour le faire. D'après le personnage là, corruption, c'est un cancer pour la société. Dans ce sens, il souhaite PM Gary Koni, qui a promesse de faire la population dans le discours là, côté le promet pour batailler contre la corruption. Il y a des bagages qu'il dit qu'il note et qu'il prend acte de lui-même. Il s'est dit que donc la priorité c'est la sécurité et il va lutter contre la corruption. Et parce que c'est des gangrènes qui ont mangé le pays, qui ont détruit le pays. Et si vraiment il y allait à contre-pied dans des bagages, parce que Gary Koni lui-même l'a réussi la transition. Mais s'il n'a pas réussi la transition, ça, donc Gary Koni parle dans la poubelle de l'histoire parce que le pays n'a pas ce côté de l'île, mais il y a un monde qui peut mettre. C'est toute couche dans la société qui a capté soulagement en d'un pays. Après 3 années d'instabilité, insécurité, grand goût à la vie. Nouveau premier ministre là, bay gros garantie, li pral attaquer problème sécurité à travers renforcement force publique yo tant que la police ak FADH. Malgré promesse ça, un pile observateur dit y a suiv pito qui signale équipe ça pral voye dans son premier jour pour kawe ki route. Il apprend. Alix Gauthier, Radio Omega. Merci à Alix Gauthier, lui-même qui était penché sous un dossier ça. Gagné ambassade États-Unis en Haïti, on salue investiture Premier ministre Gary Koni et gouvernement yo qualifié, c'est une étape importante dans la résolution défi national. Yo ambassadeur américain de Port-au-Prince qui participait à la cérémonie ça. Donc, Denis Antigny, ambassadeur États-Unis, a exprimé satisfaction par rapport à participer à l'événement ça. Il soulignait l'importance pour tout le monde là-dedans, permettre de gagner sécurité dans le pays pour permettre la prochaine organisation élection arrivée faite. Représentant au gouvernement américain d'Haïti, les îles impatients pour collaborer avec un nouveau gouvernement SAN, l'idée pour lever défi pays à Pékiné, gouvernement responsable, et ben, pour capable assurer prospérité tout un citoyen en d'un pays. Donc, c'est ça, nous, t'es capable, dans, on note, ambassade américaine, dans Port-au-Prince, yo même, yo publié, et yo, impatient pour yo travail avec nouvelle équipe là, Jean-Wilner Sévère, et il connaît, je dis, à qui rôle États-Unis jouer dans ça qui est là, oui, surtout dans la crise là, oui. Mais quand même, il y a même qu'à essayer de regarder comment il est capable de résoudre la crise là dans le pays. Oui, c'est diverses ambassades dans le pays qui réagissent surtout suite à l'installation du gouvernement. Guy et nous, Pape Domi, qui ont même écrit pour le ministre là, sous question intervention pour le ministre. Ça t'a fait lorsqu'on t'a mis accent sur lutte liable pour le mener contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, nous pas dormi accueillir favorablement appel au t'a lancé zéro tolérance contre la corruption. Nous prenons acte déclaration et bien considéré, c'est un engagement t'es prend pour un travail contre plaisir qui a plongé société nous en général et puis institutions publiques en particulier. Cependant, nous attendons action concrète pour voyer signal clair sous volonté réelle gouvernement là, pour combattre corruption sous toute forme. Nous soumettons proposition action transparence à lutte contre corruption. Nous croyons mise en œuvre mesures sérieuses à voir signal clair et puissance ou détermination gouvernement là pour capable éradiquer corruption. C'est ça qui est dans le cadre notre là nous pas d'hommes. Voilà, hier j'ai annoncé là Jean-Wilner Sévère. Yeah.
brigade, installation cap fait dans presque tout ministère. Il te promet nous apéchita sur question ça. Gaïa ministre affaires sociales qui a travaillé à Georges Wilbert Franck, il prend fonction jeudi 13 juin 2024 là. Ministre justice la mettre Calon Sécule qui procédait avec installation ça. Rappelez ministre affaires sociales là, défi Captain Lio en pile ministère ça. Si tonalite contre pauvreté dans le pays, ministre Hercule m'a déemployé pour collaborer avec ministre affaires sociales là pour le capable faire travailler puis bien. Calon Sécule, Namiko, Josué Bellamou. Le gouvernement demande à nous autres de nous engager. C'est-à-dire, nous allons sommeil encore. Je reviens d'endormi, moi même 3 heures de temps, parce que même le matin, il n'y a pas qu'à dormir. L'immensité de la tâche, c'est un défi à relever véritablement. Que Haïti, c'est la pestilence, le baravini, la bâtie fermée. Non! Le ministère de la Justice doit aider à ce que le tourisme ait le droit de citer à nous. Faut bientôt retourner la bâtie. Donc le ministère de la Justice doit s'engager à pouvoir accompagner et le ministère du Commerce et le ministère du Tourisme. On a besoin de cette solidarité. On a besoin que la vie reprenne en Haïti. Et lorsque ça fait, tâche non, on n'a pas compris. Dans de meilleures conditions, les résultats seront visibles. Et qu'est-ce l'État l'a mieux renfloué pour gagner au méritable, on fait une meilleure répartition des richesses et n'a gagné moins de délinquance, n'a gagné moins de violence, moins de chômage. On a bien meilleur. Le docteur Cadriconi l'a dit, l'heure n'est pas au beau discours. Terminez les beaux discours. Il faut nous mettre au travail. Monsieur le ministre, sur délégation du Premier ministre, le docteur Garicconi, je vous déclare maintenant investi de vos fonctions de ministre du Commerce et de l'Industrie, et également de ministre du Commerce. Amis auditeurs ou tap côté intervention en un journal là, mettre Carlos Sécule, ministre justice là qui était procédé à l'installation Georges Wilbert Franck comme nouveau ministre affaires sociales. Ministre affaires sociales là, Georges Wilbert Franck remercie conseil présidentiel la premier ministre Gary Conny qui passait confiance sur Nali pour mener back ministère. Ministre Franck qui exprime parti là toute victime Zak insécurité yo prend engagement dans nos gouvernements pour travailler pour bailler espoir que nation puis travail dans transparence d'après nouveau ministre affaires sociales Georges Wilbert Franck.